les fans de Côte d'Ivoire, vous êtes nuls comment? Bande de venin, dites-moi, comment est-ce que vous êtes nuls? Même si on dit qu'on est nuls, qu'on faut rien, quand même. Quelle est cette équipe de fourriers, de facochés, de beaufins, cuits, qui va jouer une canne de merde? Jusqu'à Sierra Leone va venir faire match nul avec la Côte d'Ivoire qui a 2 étoiles sur le maillot. Sierra Leone, c'est équipe dernièrement, d'un qui sont classés, je ne sais même pas même si on peut les classer parmi les équipes de football du monde mondial. Va venir marquer 2 buts en but de Côte d'Ivoire jusqu'à faire match nul. Mais vous êtes nul comme même vous là. Parce que oui, il faut vraiment nous expliquer comment est-ce que vous faites pour être aussi nul. Les Camerounais, ils ont attrapé une petite équipe, bastonné ça sauvagement, complètement quoi. Ils ont pris les 6 points, ils se sont qualifiés. Côte d'Ivoire, on vous donne Sierra Leone, sa équipe, des gens qui ne savent pas jouer au football, qui ne connaissent pas le football, qui se sont qualifiés par la magie, le miracle, qui ont accroché ces farfelus de mangeurs de couscous appelés Algérie. Nous, on a pris nos 3 points, on va se sécuriser, prendre nos 3 points, se qualifier, dormir en paix. Faut venir faire maintenant avec une équipe de tirs à bien constipé. J'ai dit, oh, Côte d'Ivoire, vous êtes nul, même comment? Comment est-ce que vous faites pour être aussi nul? Parce que je ne comprends pas. Avec des francaissiers qui ratent des pénalties, nous, on dirait même éléphant. Et puis, qui a donné même l'éléphant même la même à Côte d'Ivoire? Parce que l'éléphant, il est lourd. Vous donnez un nom d'éléphant qui est lourd, une équipe qui est lourde. Bon, vous voulez gagner comment? Nicolas Pepe, oui, tu as marqué un but, oui. Mais avant de marquer un but, tu as loupé 100 000 buts. Il y a quoi? Non, mais ce n'est pas possible. Franck Baumel, entraîneur là, ta tête de la gomme là. Ouais, c'est pas croyable. Est-ce que vous vous rendez compte même de qui même, avec quelle équipe de merde de Niemoko, de Fakochet, on en fait match nul? C'est la Lyon, une équipe classée, je ne sais même plus dans quel rang du monde du football mondial. Marque 2 buts dans le but de Côte d'Ivoire, qui a 2 étoiles sur le maillot. C'est quel foutait ça aussi, en fait? Parce que c'est comme les principes de foule. Bando, Modia Trapezoïda, j'ai dit que pourquoi toujours à chaque année quand on dit Kana, pourquoi quand on doit vous supporter là-haut, on doit souffrir. Il y a quoi? On vous a fait quoi? Qu'est-ce que c'est? Vos voisins de Cameroun, Cameroun, pays organisateur, ils ont attrapé une petite équipe là qui s'est joué un peu les tilapia constipés là. Ils ont bastonné sa 4-1. Côte d'Ivoire, on vous a fait quoi même? C'est la même équipe, des joueurs méconnus qui viennent vous accrocher. Vous luttez jusqu'à faire 2-2, prendre 1 point d'une équipe qui a 10 sur son maillot. C'est quelle foutaise de merde ça? Côte d'Ivoire. Non, attends, j'ai dit où? Sérieusement. Vous là, dites-moi, vous êtes nul comment? Parce que, en toute chose, quand on est nul, il y a des degrés. Mais vous voyez degrés de vauriens là. Je me pose la question, ça vient d'où? Des enfers? Parce que même au paradis, on vous supportait. Même aux enfers, on vous supportait. Parce qu'on sait que c'est la lionne. Hein? On est foutu. Parce que si Sierra Leone nous a accroché des buts, c'est que Algérie va nous tuer. Parce que Sierra Leone, une équipe, même, on ne sait même pas depuis 15 jours par an. Ils viennent vous accrocher et vous mettre 2 buts. C'est que les mangeurs de couscous Algérie, eux, ils vont nous décéder. Côte d'Ivoire, vous ne laissez pas la peine. Chaque année, quand on va venir vous supporter, vous allez toujours jouer avec les sentiments moqués des gens. Alors, ça fait quoi? C'est pas croyable. Est-ce que les éléphants qui sont là-bas, là, ils savent tout le mal qu'ils nous font? Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font? Ils sont mauvais. Il y en a qui le sachent. Donc, on est encore revenu sur les calculs. Si t'en gagnes, t'en perds, on va se qualifier. Hein? Vous savez pas, hein? Non, c'est pas possible. Sers ça. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt. Est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Gédéon, le mot de fin. Tous les sorciers qui sont ici, oui. Vous êtes des bâtards. Allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez, 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 allez,